Je crois que ça est un peu différent. C'est 100% pour tout le monde. Et quand t'as une guerre de rango, si je me suis pas trompé dans l'indicatif, c'est du 59, pas de problème pour vos enfants. C'est le prénom est Bernard, c'était Aguilar au Créo. Et le ressort est monté, hein, par contre. Parce que c'est 59 plus 5. Si par ici Bernard, 59 plus 10. Lucas, c'est du 59 plus 5, là. Et le dimanche matin, il faudrait que tu aies ces reports comme ça, là, parce que j'ai pas besoin de tendre l'oreille pour t'entendre, hein, Lucas. Et si BEC, c'est 59 plus 5, oui, Philippe, je me rappelle, on a déjà fait des questions sur même sur le relais de Guise, hein. On a fait plusieurs tous les taux, d'ailleurs, sur ce relais-là. Ça remonte déjà un petit moment, quand même, hein. Et quand tu es 2, Guise, c'est du 59, hein. Et puis les conditions d'amusement, c'est un SM350. Le micro, c'est un MD200. Et l'antenne, c'est une boucle de 83 mètres. À 6 mètres du sol. Voilà, c'est pas un delta tout à fait parce que le tirage ne permet pas. Mais elle a été montée déjà beaucoup plus haut avec, dans le département 71. Mais vraiment un delta de micro. Puis cette antenne, elle est arrivée ici. De les remonter. On y a 6 mètres, hein. Et puis là, il va y avoir à peu près 150 mètres, hein. Est-ce que l'IPO 6 a 35 bravo 8 qui tira? Oui, Fox 5, bravo, Whisky Sierra, le groupe. Fox 8, bravo, Echo Charlie. Eh bien, 73, bonsoir, Guy F1PIG, tu arrives bien, plus 1 dB. Désolation, mais l'amitié chez toi également. J'ai noté que tu ne seras pas présent le samedi 13, donc pour cette deuxième partie sur le Nano VNA, qui là, c'est dommage, ça aurait très intéressant puisqu'on va passer à la partie pratique. Voilà, chacun fait comme il peut, bien entendu. Il n'y a aucune obligation. Et je crois, et je confirme, que Patrick F4KN nous fait ça aux petits oignons, hein, ça va être très très bien. Voilà, j'ai noté les conditions de trafic de Bernard, ça ne peut être qu'excellent, hein, avec un TS950, Hachi. Je dis ça parce que je suis un amateur de Kenwood, donc si j'ai bien compris, c'est le TS950. Hein. Voilà. Oui, je voulais te dire, je te réponds dans la foulée, je viens de relire, a priori il n'y a pas d'erreur sur ce que tu m'as envoyé. Donc je te dis oralement, c'est ok, hein, donc à partir du 15 juin, c'est très très bien. Et on parlait après au QSO du REF 02 le jeudi soir. Alors bon, il n'y a pas le feu au lac, hein, on est début juin, pour le mois de septembre, on n'est pas en retard pour diffuser. Hein. Voilà, alors les conditions de trafic ici, c'est un TS890 Echo, c'est de la marque Kenwood, bien entendu, le micro est d'origine, la puissance a priori est de 200 watts en moyenne, via un amplificateur TL922 de chez Kenwood. Et l'antenne, c'est une Kelemen. Elle est perchée à peu près à 15-18 mètres du sol. Hein, c'est une antenne filaire de 33 mètres, sous la référence DP160-80H. Voilà, donc elle est mi-bande pour le 80 et le 160 mètres. Voilà pour les conditions de trafic. Et puis là, j'ai mis un nouveau jouet. C'est un appareil de mesure que je ne connais absolument pas. C'est un LP100A. Voilà, l'appareil digital. L'appareil de mesure digital. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce type d'appareil, mais éventuellement, ce serait intéressant d'en discuter. Et pourquoi pas d'avoir la notice en français, voilà, que je n'ai pas trouvé. Guy, pour les adaptateurs, et c'est moi, c'est une excellente idée. Si tu en commandes, pense à moi. Si tu as un site intéressant, je serais ravi de le connaître et éventuellement de faire la même chose que toi.
Voilà, on pourra éventuellement rediscuter pour pas perturber forcément tout le monde. Mais je suis aussi preneur pour tout ce qui est adaptateur. Voilà. Je pense avoir dit ce que j'avais envie de dire sur ce deuxième tour. Donc le micro revient à Guy, enfin Papa India Victor, l'ensemble du QSO et suite Bravo Echo Charlie. Il faut trouver ça.